Ça y est, nos gazelles sont bel et bien arrivées sur la terre marocaine. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. C'est donc parti pour la 25e édition du rallye Aïcha des gazelles du Maroc. Durant une dizaine de jours, nous vous ferons vivre comme si vous y étiez cet événement. Mais avant, revenons sur le périple de nos gazelles entre le soleil niçois, la neige marocaine. Si, si, la neige marocaine. C'est parti pour la 25e édition. Une 25e édition partie de Nice cette année. Une 25e édition comme un hommage à Camille Muffa, l'enfant du pays, parti trop tôt brusquement. Une 25e édition colorée de gazelles, aussi déterminée qu'heureuse de participer à cette aventure hors norme. Tous... 316 gazelles, 158 équipages prennent donc le bateau. C'est parti pour un périple de 3 jours. Bye bye, les côtes françaises. Après 2 jours de mer, bienvenue en terre marocaine, Anador et sa vie de pêcheur. Des images de cartes postales qui tranchent tout de suite avec celle de Rabat où le départ est donné par le ministre du Tourisme, Larsen Haddad. Si Anador a fait rêver, la route de Rabat, elle, a fait des caprices. On va avoir quelques petits soucis pour passer la montagne parce qu'il y a de la neige. Et je crois que la route est fermée, mais nous ne sommes pas encore sûrs. On va voir si on peut passer ou pas. Sinon, je ne sais pas comment on va arriver. C'est l'aventure. On est bien là. C'était pas ça qui était prévu par contre. On ne nous avait pas vendu la neige, le vent, le froid. Je n'avais pas prévu mes affaires de ski, mais c'est pas grave. On va y aller. Comme pour leur annoncer la couleur de la douleur de cette compétition, le temps s'y est donc mis aussi. Neige, rafale de vent, grêle, les gazelles sont prévenues. Il va falloir aller puiser en soi pour tenir jusqu'au 4 avril. Ça souffle un tout petit peu pour ce prologue, mais le soleil est là et surtout nos gazelles sont prêtes à en découdre pour cette 25e édition du rallye Aïcha des gazelles du Maroc qui continue sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain pour la première étape. Salut.